Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est 10h51, il est en train de se foutre de ma gueule, je suis en train de parler tout seul. On a 1h20 de retard déjà, ça commence. On est bien. On part au centre du deux roues, on est dans les bouchons. Donc je sais pas à quelle heure on va arriver. Je pense qu'on arrive à quelle heure. Ah. Écoute, on sera là pour manger. Il y a l'ami sushi, il y a son frère qui est derrière. Allez, nique la voiture de ma daronne, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, tu rigoles, mais tu repayes. Hein. Non, on va s'embrouiller. Mais il n'y a rien, ça. Ah, c'est lui par contre. Je n'ai absolument aucun contenu utile dans ce qu'on vient de dire. Exactement. Voilà. Il est en mode tocard, je suis mort. T'en dis pas le frère. Salut, tu vas bien? Salut. Okay. Allez, oh le bâtard! Au salon du trois roues! Ah, d'accord. On arrive bientôt, c'est écrit au Expo là, avec un petit lion. T'as vu, ils sont comiques à Lyon. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, c'est du bon, j'adore. T'adores? C'est excellent. Moi aussi, j'aime bien. Toi aussi, t'aimes bien? Absolument aucune réponse. Ouais, ils sont extrêmement motivés. Un grand V à toutes les chattes de France. Bon, ça va être cool. Y'a pas un parking VIP, s'il vous plaît? Eh, on est là, nous, hein. On est là. Bonjour. Pour savoir, on a une accréditation de presse. Est-ce qu'il y a un parking dédié ou... D'accord, merci beaucoup. Merci. C'est vrai que ça paraît con, mais au final... Ça paraît con. Monsieur ne veut pas se garer avec le bas peuple. T'as cru t'es qui? T'as cru t'es qui? Bonjour. On cherche le parking presse, s'il vous plaît. Un parking presse, de la carte presse et tout. Bon, on doit la retirer à l'entrée. On doit la retirer à l'entrée. Allez voir là, plus loin. Plus loin. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Je suis de Dan là. Mec, je suis trop excité, mec, je te jure. Ouais, c'est ouf. En fait, j'ai peur et j'ai pas peur. On est arrivé au salon sur le parking. On est tombé sur un mec de la sécu plutôt sympa. En fait, le mec il nous a dit il n'y a pas car professionnel, vous rentrez pas. Nous, on a chaud, tu vois. Il fait genre 10 degrés. Parce qu'il paraît, j'ai pris du bide aussi. C'est pas cool. On se reprend après. Bon, les gars, on a récupéré l'accréditation presse. On a tellement galéré à l'avoir. On remercie tous Élise hein, qui est super mignonne. Lui, il se marre. Bon, allez, on va passer une bonne journée. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'es content? T'as aussi ton truc presse? Hein? Peut-être que tu vas faire ta star avec ton autour du cou? Vous êtes qui? Moi, je. Ah, mais déjà, je suis. Déjà, vous avez combien d'abonnés pour vous parler? Moi, j'ai 1200 abonnés. Ouais, non, je parle pas aux gens comme ça. Les gens qui ont moins de 5000 cm3, c'est des merdes. Ah oui, c'est que les motos de 1000 cm3, c'est la base. C'est. Y a que ça de vrai. Et la musique de rock. Là, y'a de la brelle. Là, y'a de la brelle. Derrière, on a mis un plaid. Le plaid, c'est pour protéger la meuf. Pour pas que l'air frappe les fesses. Ah, d'accord, on est un expert. Donc ouais, je disais merci à Élise, hein, toute mignonne, une très très belle voix au téléphone. J'ai dû l'appeler 6 fois parce que c'est la galère, enfin, il faut toujours qu'il m'arrive des merdes. Le stand Kawasaki. Rouge en plus, tu gagnes au moins 3 poney. Plus genre, elle est grave basse, elle est grave bien. J'adore. Tu déconnes pas, hein, je suis net. Hein. Oui, tu vois là, tu es. Franchement, moi j'aime bien. Là, c'est pas et tout. Oh mec, on doit pas t'entendre. Maintenant, Z650, elle a beaucoup trop fait une mousse, tu vois. Je pense que ça a bien marché sur YouTube. C'est comme l'MT07. MT07 GoPro Starter Pack, hein. Et mec, tu vas où? Je voulais chercher tout le monde en fait. Elle est pas mal. Arrête de rigoler. Elle est pas mal, mais mec, elle est trop basse. C'est pas quand même. Oh là, le caméraman de l'extrême. Elle, tu vois, elle est basse. Elle est quand même vachement basse. J'ai un caméraman du Turfu. Franchement, elle est bien, sinon j'aime bien. C'est trop sympa, vachement légère. Ah mec, j'ai même pas dit qu'on faisait la mission de trouver la moto pour le Bamiya 2, c'est génial. C'est avec ça, t'arrives à faire une vidéo, c'est incroyable. Merci caméraman. Avec plaisir. N'oublions pas la mission de base qui veut trouver une moto pour le Bamiya 2. Franchement, chez Kawa, la Z900, mon gars, elle est magnifique. En rouge, j'aime bien, mais je préfère mieux les couleurs derrière. En rouge, j'aime bien, mais en noir, liseré rouge, magnifique. On va où là, chez Yam? Oh mec, c'est trop bien. Ils riront pas, ils sont mal les couilles. D'accord, très bien. Je pense qu'on va aller chez Yamaha. Carbone, là j'ai un truc pour toi. Là c'est pour toi. Tu vois, c'est moins radical que la RC. Je cherche aussi la MT07 2018. J'aurais aimé la voir un peu la face avant. Là on a une moto de beau gosse. La MT125. On demande pas sur la mission, les gars. La mission, trouver la moto. Franchement, la MT07, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour une moto que je kiffe, mon gars, mais elle est pas bridable. La XSR 900 à Bart, elle est mais monstrueuse. Cette moto, les gars, un jour je l'ai. Je la trouve magnifique. Le siège, mal contre et tout, magnifique.
siège d'un cantar. Oh là là. Mec, attends, hold. Alcantara pure souche. Alcantara, petit carbone. Magnifique. Magnifique. Petit signe à part ici. Sushi face au wrestling de la MT-07. Il y a un mec dessus, mais t'en as une devant là. Et oui, MT-07. T'as vu la face avant là, tout changé. C'est plus du tout le même feu. On tient encore ces câbles là qui sont. C'est vraiment dommage, mais ça reste belle quand même. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui change au niveau poste de pilotage? Je sais pas. Excellent. Ah, en plus en vidéo. Oui. Ça va, beau gosse? Tranquille. Bah tiens, tu passes dans la vidéo. Comment je t'appelle? Tom. Tom, ça va, Tom? Alors, vos impressions, monsieur. Vos impressions. Votre impression, monsieur. Monsieur. Voilà, on est d'accord. J'ai bien aimé sa voix. C'est un petit peu plus ça qui s'est passé. Parle plus fort, moi je t'écoute. Ouais, mais le feu, j'ai du mal, on dirait l'ancienne MT-09. Moi j'aime bien, moi. Ça me dérange un peu. Mais c'est juste, c'est si dommage, c'est qu'ils ont pas mis du LED. Genre, c'est un feu halogène. Je sais pas, mec. Il sait pas. Moi j'aime bien, à part le feu du coup qui est pas à LED, j'aime bien. Le feu derrière est horrible, il est moche. Ah ouais? Non. Ils l'ont refait, il paraît. Attends, je vais regarder. Ah non, c'est Sushi. Oui. Ah ouais, il y a pas de super feu. Non. Grosse dédicace à Maxence et ses parents qui sont venus nous voir. Gros big up à toi, Maxence. Bon les gars, on a fait le son Yamaha, chez Yamaha, franchement ce qui est pas mal. La MT-07 j'aime bien, la XSR 700 aussi. La MT-07, j'ai mon habitude, il y en a déjà beaucoup. Après on va aller au stand KTM, je ne veux pas me spoiler, c'est le dernier truc que je vais faire. C'est le meilleur pour la fin mon gars. J'ai hâte de voir la Duke 90. Là ça fait une heure qu'on attend Sushi qui est en train de parler. On va aller bouffer parce que j'ai super faim. Je pense qu'on est pas les seuls, vous avez faim? Non, j'ai la dalle. Ouais, moi aussi j'ai trop faim. Merci aux gens qui nous reconnaissent, qui viennent nous voir, c'est hyper cool. On va aller manger. On va aller manger, toujours hein. Toujours. Sauf qu'on sait pas où aller, on a pas de plan, on est les seuls schlags à pas avoir de plan, rien. Mec c'est, je sais pas, on sait pas. Il faut se dire un truc, c'est que le talent parle toujours. Ouais. Peut-être pas maintenant, mais tu me dis où est le talent, sachant que là il y a pas du tout un restaurant, mec. Restaurant là-bas, on voit pas, il y a pas de mise au point. Mais restaurant là-bas. C'est pas là-bas, Léa, c'est là-bas. Je me dis, j'ai faim. T'as que ça? Ah ouais. Elle est plutôt grande. Un peu comme. Regarde-moi ça, mec, guette-moi ça. Petit pot d'échappement, aussi grand que ma. On dira rien. Non, ça, le veillère, elle est pas très grande. Ah ouais? Ah. Tu fais que tu ronfles? Sérieux? Ouais. Mais non. Ah d'accord, très bien. On fait des aveux comme ça en vidéo, très bien. Finalement on va aller manger plus tard. Bon les gars ils m'ont chauffé, on est chez KTM, la Duke 790, on va aller la voir. Les gars, Duke 790, j'attends ça depuis hyper longtemps. Allez, c'est magnifique. Oh non, 9190. On va sortir le compte en banque. Franchement les gars, franchement elle est juste magnifique. Par contre il y a un truc qui est dégueulasse dessus, c'est le pot mon gars, le pot d'origine il est horrible. Alors franchement le mien encore c'est la MT, il est beau gosse, mais là il est même la vêche, mais ça va tu vois, elle est pas non plus trop mais franchement elle est magnifique, elle est magnifique. On va parcourir un peu le stand KTM, là on passe les KTM Adventure. Donc ça pour ça normalement j'ai pas la taille, là tu vois elle me plairait bien franchement. Je vais monter dessus, mais je crois que je touche pas par terre. On va checker ça. Oh je touche mec, oh léger mais je touche, je sais pas si on va bien voir. Genre c'est tendu mais ça passe, mais par contre le poste de pilotage mec, il est juste mais monstrueux quoi. Les Duke 390 elles sont pas mal mais ça fait trop petit j'ai l'impression par rapport à la 790 qui est vraiment beaucoup plus grosse, les pneus plus gros etc. Au final ce qu'il faut retenir franchement la Duke 790 c'est un coup de cœur, je la trouve vraiment super jolie. Je pense que ça a bien marché, ça doit être un peu le même délire que la MT-07 et tout ça. Et j'arrive amorce en direction. Mais non, amorce en direction. Et ça pousse. Putain. Mais ça va être là la différence avec une MT-07, c'est que là mec tu pourras faire de vrai wheel, genre c'est fait pour genre. Dis-moi. Quel pied réglable. En gris c'est pas mal. Ah oui. Toi, mec. Attends je réponds un commentaire. Ah. C'est à moi que tu réponds en gris. Mais non. Vas-y. Mais non. La coïncidence de ouf. C'était bien sympa, on va passer voir Xvana après. Je pense qu'il faut retenir de KTM, la 790 c'est monstrueuse. La 1090, si vraiment j'avais les sous, je la prendrais et si aussi j'avais la taille, mais le truc c'est que je touche pas par terre, c'est horrible. Et la 390 elle est sympa mais je trouve que ça fait pas vrai modo dans le sens où c'est vraiment assez petit. Donc on verra. Assez mitigé. Du coup après KTM, on va chez Xvana, on va aller voir les Bitpilen et Sparkpilen. Ah Sparkpilen. D'accord, très bien. Il a appris le mot aujourd'hui en fait. Sparkpilen. Parlons de choses sérieuses. We'll be right back.
part. Elle est top, elle est top. Le mec à l'arrière, il doit prendre cher. Hein. Excusez-moi. Mec à l'arrière, je t'entends mal. Tu montes pas à l'arrière, mec. Hein. Ouais, derrière moi, je monte pas. Hein. C'est ça plus radical quand même. Franchement, les jantes de la 401, j'adore. Et les jantes de la 701, j'aime pas du tout. Elles sont différentes. Je suis une fille sur Instagram. Ouais, avec ton gros boule en l'air. Et tu vois les jantes là, les jantes ici, je suis pas fan. Elle est super belle. Hein. Franchement, moi j'aime bien, elle est vraiment pas mal. Bon les gars, on a encore réussi à bouffer. Petit sandwich. On s'entend même plus parler. Bon les gars, bon appétit, on se reprend après. Bon les gars, c'est presque pareil. Bon les gars, on a fini de manger. On a fini de manger. Tu l'as pas vu là. Vous avez pas vu Wallan en fait, juste là. Là, il y a Wallan là, juste devant toi là. Vous avez pas vu. Ah bah. Il y a Wallan juste ici. Bonjour Wallan. Ça va? Est-ce qu'on peut faire un snap? Un petit bonjour pour une vidéo. C'est qui? Il a le truc, attends, il a le micro et tout propre bien. Ah bah il faut hein. Forcément, je sais qu'il a une chaîne, tu vois. Ça se passe? Ça se passe, tranquille, ouais. Putain, c'est ça qui t'a fait le réflexe? Le réflexe a plus de batterie, donc du coup j'ai switché. Et ça, c'est aussi la batterie, c'est bien tout lourd. C'est hyper pratique, il a pas mal de discal, tu vois. Ouais, c'est clair. Je suis bien, donc les gars, on a rencontré Wallan, un mec hyper cool et choqué, il me connaissait de nom. Il voyait au vrai qui j'étais, je sais pas, ça m'a choqué. Regarde-moi ça, on a mis le petit nom sur le t-shirt, en dessous du poteau sushi. Putain, on est beau gosse. Eh, franchement, je trouve que ma signature c'est la plus belle. Après, il est fier, il est fier, il est heureux là, un homme heureux. Oh, tu danses là? Attends, sushi? Oui mais voilà, enfin c'est... Voilà. Salut. Oui, t'auras un écho dégueulasse, ça te dérange pas, c'est bon? Non, oh, super. Avec deux abonnés, Simon et Sofian, les beaux gosses, ils ont stalké toute la journée, ils ont enfin trouvé. Allez, salon les gars, on sort, c'est un truc de ouf. Merci à tous d'être venus nous voir aussi nombreux, c'est quelque peu incroyable. Pour la mission parmi à deux, je pense qu'on est quand même sur des pistes, qu'est-ce que t'en penses? On est sur des pistes, c'est pas pour la moto. Deux pistes. Alors, est-ce qu'on passe sur la Ducati Super Sport? Ne spoilez pas. Ah pardon. On en parlera demain. Okay. Enfin, ok, d'accord. Bref.